Bonjour, bonsoir de partout et d'ailleurs, vous tous qui nous suivez. Bonsoir à tous. Bonsoir Sidonie. Bonsoir Sandra. Voilà, nous sommes encore là, nous passons à table, la table est prête. Appelez quelqu'un, dites à la personne que la table est prête et il y en a pour tout le monde. Voilà, nous passons à table. Juste pour nous rappeler ce que nous avons parlé la semaine passée. Nous avons parlé de l'amour et nous avons dit, bien entendu, nous sommes au mois de septembre et le mois de septembre a été déclaré par notre papa, le pasteur Joshua Olive, qui est Sékossi, le mois de l'amour, de l'unité et de la victoire. Et la semaine passée, nous avons parlé de l'amour et nous avons dit que Dieu est amour et il nous a donné sa nature. Et cette nature qui est en nous fait que nous puissions aimer. Aimer même ceux-là qui ne nous aiment pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'amour qui a été déversé en nous nous poussera et nous pousse à aimer tout un chacun. Amen. Donc voilà pour ce que nous avons partagé la semaine passée. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une autre chose. Bien entendu, c'est toujours le mois de l'amour, de L'amour. l'unité et de Amen. la victoire, mais aujourd'hui, c'est une autre chose. Donc, Amen. je vais te demander, Sidonie, de nous lire le verset d'aujourd'hui afin que nous puissions donner notre sous-thème de cet après-midi ou alors de cette semaine. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Alors, nous allons lire deux livres différents dans la Bible. Où que vous soyez, pardon, prenez vos Bibles et nous allons commencer. Le premier livre que nous allons lire, c'est le livre de la Genèse, au chapitre 11, verset 6. Et je vais lire. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Le second livre, c'est le livre de Romains au chapitre 6, verset 4. Je vais lire. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Il y a l'agneau. quelque chose de très important que je vais répéter dans le premier livre, celui de la Genèse 11:6. Il dit, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Un Amen. seul peuple et une même langue. Gloire à Amen. Dieu. Gloire à Je vais l'agneau. demander à la sœur Sandra si elle peut nous dire ce soir de quoi il est question à passons à table. Voilà, j'aime ça. Tu as parlé d'une chose et dans les Amen. deux versets que tu nous as lus aujourd'hui, j'ai retenu une chose. Ça nous parle de l'unité. Et donc Amen. aujourd'hui, nous parlons de l'unité. Notre sous-thème est intitulé Nous sommes unis en Jésus-Christ en une seule vie. Amen. Voilà, c'est le sous-thème de la semaine. Et je vais commencer par définir l'unité. Qu'est-ce que l'unité? Le dictionnaire Robert Quotidien définit l'unité comme l'état ou le fait d'être uni, réuni en un seul, comme des parties d'un tout. Et il est aussi défini, il dit, l'unité est un caractère de ce qui est unique, un mouvement d'ensemble, caractère de ce qui ne peut être divisé. Et tu nous as parlé de l'unité dans le deux passages que tu as lus. Et dans notre verset principal, comme je disais, le Saint-Esprit, à travers l'apôtre Paul, nous aide à comprendre notre unité inséparable avec le Seigneur en disant, nous avons été baptisés avec Christ et nous sommes membres de son corps et membres de ses os, membres de sa chair. Ceci est tiré de Ephésiens 5, 30. Et donc, si nous sommes membres de son corps, à quoi sert-il être membre de son corps? Et c'est quoi le but principal de Dieu d'être uni à lui? Le but principal ou le but crucial de Dieu de nous unir à lui, c'est tout simplement de nous rassembler avec lui, de rassembler toute la création, de réconcilier la création avec lui. Et ce désir d'unité que Dieu a, nous pouvons voir que lui-même Dieu est uni avec Dieu le Père, avec Dieu le Fils et avec Dieu le Saint-Esprit. Tous les trois sont membres de la Trinité.
Donc, c'est trois personnes en Dieu. Et ils sont liés étroitement l'un avec l'autre. Et Dieu ne peut faire une chose sans pour autant que Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit soient avec lui. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans Genèse 1, verset 26, il dit « Créons l'homme à notre image ». Donc Dieu a parlé en disant « Fils, Saint-Esprit, créons l'homme à notre image ». Et voilà, nous avions été créés à l'image de Dieu. Donc Dieu n'a pas dit « Je vais aller créer l'homme à mon image », mais il a dit « Nous allons créer l'homme à notre image ». Et nous devons comprendre pourquoi cette chose. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 12, à partir du verset 12 jusqu'au verset 23, que nous sommes le corps du Christ. Je veux illustrer en disant que nous sommes le corps du Christ. Je veux essayer de nous expliquer comment est-ce qu'un corps fonctionne. Éphésiens nous dit que Christ est la tête et nous, nous sommes son corps. Comment est le corps? Le corps est composé de plusieurs parties. Nous avons mes doigts que nous voyons là. Nous avons mes mains, tu as tes jambes et ainsi de suite. Tout cela constitue le corps. Et donc, d'une manière ou d'une autre, tout ce que les mains font, les jambes doivent être d'accord, la tête doit être d'accord et ainsi de suite. Cela ne peut pas être séparé. Si ma jambe a été heurtée lorsque je me fais mal à la jambe, mon cœur saigne, mon cœur a mal et mes yeux pleurent. Pourquoi? Parce qu'ils forment tous un seul corps. Et ça, ça prouve que réellement, c'est une structure, mais d'une manière ou d'une autre, les membres sont liés, les membres sont connectés. Et si, par exemple, j'ai mal à la jambe et mon cœur ne fait pas mal, mes yeux ne pleurent pas, cela peut arriver, mais n'empêche que tu vas quand même ressentir une petite douleur dans ton corps ou dans ton cœur. Mais si tu ne sens rien, tu te brûles, disons que tu te brûles, mais tu ne sens pas cette douleur-là qui monte dans ton cœur, cela veut dire que quelque chose ne va pas. Cela veut dire qu'il y a une connexion qui est interrompue, ou alors tu n'as plus de sensations. Cela n'est pas normal. Mais hélas, dans le corps du Christ, ça arrive que la jambe se heurte, mais les mains sont contentes. Lorsque ton frère ou ta sœur a mal et que toi tu es contente, cela veut dire qu'il y a une division. Or, nous ne devons pas être divisés, car nous sommes tous membres d'un seul corps et nous avons Christ qui est la tête. Et d'ailleurs, la tête ne peut pas marcher seule, la tête a besoin du corps. Et donc, cette unité-là fera que et la tête et le corps puissent marcher dans l'harmonie. Gloire à Dieu. Wow. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Vraiment, tu viens de dire quelque chose de très important. Tu as parlé de l'unité du corps. L'unité du corps de Christ. Parce que tu as dit, Christ est la tête. Et amen. Nous sommes son corps. Son corps. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Mais nous voyons une chose. C'est vrai que tu as illustré, tu as parlé des membres. Mm-hmm. Le corps est comme le tronc. Mm-hmm. Et les membres sont, tu vois, un peu comme les branches. Et bien Mais sûr. Tout ça, c'est connecté. Mm-hmm. Mais nous constatons aussi qu'il y a une autre chose. Dans le corps, il y a l'esprit. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Donc l'unité ne doit pas seulement être une unité de corps, mais il y a aussi l'unité de l'esprit. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Et l'unité de l'esprit, c'est une œuvre divine, une œuvre de Christ. C'est une œuvre de Saint-Esprit que Jésus a accordée à son Église. Et nous devons conserver l'unité de l'Esprit. Amen. De même, nous conservons l'unité du corps. Mm-hmm. Nous devons aussi conserver l'unité de l'Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à C'est très important. Mm-hmm. Peu importe la nation dont d'où tu proviens. Mm-hmm. Parce que, comme tu as dit, tu as parlé du corps de Christ. Mm-hmm. Le corps de Christ, c'est toi, c'est moi. C'est nous qui formons ce corps. Mm-hmm. Et nous ne sommes pas nécessairement de la même région. Non. Nous n'avons pas nécessairement la même culture. Je suis peut-être camerounaise. Et peut-être, peut-être je peux que être tu es congolaise. Congolaise. Mm-hmm. Ou alors, je ne sais pas, chinoise. Mm-hmm. Ou, peu importe la nation, peu importe ta culture, peu importe d'où tu proviens, peu importe ton éducation, nous sommes le corps de Christ. Amen. Nous sommes une nouvelle création en Amen. Christ. Gloire à Dieu. Gloire Et ceci se vérifie dans 2 Corinthiens.
pardon, dans 1 Corinthiens 12, 13 qui dit, nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit. Amen. Pour former un seul corps, mm-hmm. pas deux corps, Amen. Un seul corps. Amen. Baptisés dans le... Nous avons tous été baptisés Amen. Et nous formons un seul corps. Un seul corps. Amen. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Amen. L'unité du corps et l'unité de l'esprit. Amen. C'est très important. Nous devons Amen. Conserver cette unité. Nous ne devons pas interrompre, comme tu as dit tout à l'heure, de la même manière que quelque chose peut se passer dans le corps, cette interruption peut se passer dans le corps. Cela peut aussi arriver dans l'esprit. Mm-hmm. Mais nous ne devons pas permettre cela parce que nous sommes tous abreuvé du même esprit. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à la Et Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, il a renouvelé cette unité dans Jean 15, mm-hmm. dans Jean 15 au verset 5. Mm-hmm. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Les sarments. Nous avons la même vie avec lui mm-hmm. parce que la vie passe par la vigne mm-hmm. et va dans les branches. Amen. Il est le cep. Mm-hmm. Nous sommes le sarment. Amen. Mm-hmm. Alléluia. Donc, tu veux dire que Jésus est le tronc. Et nous sommes les branches. Gloire à et Dieu. Nous tenons notre vie, nous tenons notre sémence à partir de ce tronc Amen. Qui est Jésus. Jésus Cela lui-même. Veut dire que l'Église aussi doit être unie. Amen. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'Église a été fondée sur l'Évangile. Amen. Gloire à Dieu. Mmh. Et c'est le même Seigneur, c'est le même Dieu, comme tu as dit, c'est le même Esprit. Amen. Il ne peut y avoir des divisions parmi nous. Non. Si nous comprenons cette chose, nous devons être à mesure de comprendre qu'en réalité, nous ne pouvons pas nous diviser. Pourquoi? Parce que le même esprit qui habite en toi, Sidonie, c'est le même esprit qui habite en moi. Amen. Et le même Seigneur que toi, tu glorifies matin, midi, soir, c'est le même Seigneur que ma sœur qui nous suit en ce moment glorifie. Amen. Et donc, tu dois être uni avec le croyant, avec frères et sœurs, car c'est une grande famille, n'est-ce pas? Très nous sommes une grande famille chrétienne et nous devons nous unir. Gloire à Dieu! Waouh! Gloire à Dieu! Amen. Nous devons rester unis. L'unité, c'est de quoi nous parlons ce mm-hmm. soir. L'unité du corps du Christ. Mm-hmm. Unis par le même corps. Amen. Unis dans un même esprit. Amen. Gloire à Dieu. Parce que tous, nous avons reçu la même vie. Amen. La vie qui est en lui, c'est la même vie qui mm-hmm. coule en nous. Amen. Dans le corps, c'est le même sang. Amen. Il n'y a pas deux types de sang. Amen. Gloire à Dieu. Gloire c'est à tout l'agneau. Ça qui circule Amen. En nous. Amen. Gloire à Dieu. Pardon, tu voulais non, dire quelque non, chose? Non, vas-y, tu Oui, peux. Je disais, mm-hmm. c'est si nous parlons de l'unité du corps de Christ, mm-hmm. nous parlons de l'Église. Mm-hmm. L'Église, c'est qui? L'Église, c'est moi. C'est L'Église, moi aussi. C'est toi. Mm-hmm. Ce n'est pas les quatre murs. Non. C'est nous qui formons l'Église. Mm-hmm. Et cette Église-là, c'est quelque chose, elle est très précieuse mm-hmm. aux yeux du Seigneur. Amen. Parce que lui, il est la tête. Amen. La Bible dit, il est le chef de l'Église. Amen. C'est son œuvre. Il a dit, je bâtirai mon Église mm-hmm. et les portes de l'enfer ne prévendront point, point contre elle. Pourquoi devons-nous diviser? Mm-hmm. Nous ne devons pas nous diviser. Nous ne devons pas permettre que la division entre dans l'Église. Mm-hmm. Parce que lorsqu'elle va entrer dans l'Église, nous serons dispersés et nous serons déconnectés. Nous allons perdre la vision de Christ. Mm-hmm. Et c'est comme ça que nous allons aussi perdre toutes les bénédictions qu'il a préparé pour nous. Amen. Donc l'unité de l'Église reflète l'unité de la Trinité. Amen. Gloire à Dieu. Gloire Éphésiens 4, 6 dit qu'il y a un seul corps et un seul esprit. Mm-hmm. Dieu travaille dans l'unité. Tu, as, dit, tu as parlé de la Genèse tout à l'heure. Lorsque Dieu a créé, il a dit « faisons ». Il n'a pas dit « je fais »,« faisons mm-hmm. ». Donc il a travaillé dans l'unité avec le Fils et le Saint-Esprit. Tous ensemble, mm-hmm. Dieu est un Dieu d'unité. C'est un Dieu uni. C'est la raison pour laquelle il nous fait appel encore aujourd'hui à être un seul corps. Mais je voudrais quand même qu'on puisse revenir en arrière parce que nous parlons de l'unité. Amen. Et je voudrais quand même que nous puissions comprendre cette unité avec Jésus-Christ. Que cette unité ne s'est pas arrêtée lorsque Jésus a été mis à mort. Non. Cela ne s'est pas arrêté là.
Mais par contre, cette unité a continué car la Bible nous dit que nous étions morts avec lui, ensevelis avec lui et nous avions ressuscité avec lui. Amen. Et voilà pourquoi Romains 6, 4 dit « Par conséquent, nous sommes ensevelis avec lui par le baptême de sa mort, Amen. Afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, de même nous aussi, nous puissions marcher en nouveauté de vie. » Sa résurrection nous fit entrer dans une nouvelle vie, dans une nouveauté de vie. Mais c'est quoi alors cette nouveauté de vie? Nous parlons de cette union, nous parlons de cette unité. Nous devons vivre dans le pouvoir comme Christ a vécu dans le pouvoir. Christ était puissant et tel qu'il était, tel qu'il a vécu, il nous a donné cette capacité de vivre comme lui. Nous devons être. Bien sûr, donc nous devons vivre dans le pouvoir. Nous devons vivre dans la foi. Parce que lorsque Christ est descendu sur terre, il a marché comme un homme, comme une femme. Il n'a pas marché comme un Dieu. C'est vrai, il était Dieu, mais il s'est revêtu de la chair pour marcher comme toi et moi. Et il a marché dans la foi. Toi aussi, tu es appelé à marcher dans la foi, Amen. Dans cette nouveauté de vie. Et nous devons aussi marcher dans le miracle. Le miracle nous appartient. Parce que Christ a dit une chose, Jésus a dit une chose. Il a dit, si vous croyez en moi, les choses que je fais, vous ferez des plus grandes choses que ce que moi je fais. Et donc aujourd'hui, nous aussi, nous devons vivre dans le miracle. Amen. Car cela nous appartient, Amen. Cela nous a été donné. Amen. Donc, nous devons vraiment prendre conscience et marcher, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'amour, dans le pouvoir, dans la foi et dans le miracle. Wow! Gloire à Dieu! Gloire à l'agneau! Tu as dit quelque chose, une nouveauté de vie. Mm-hmm. Si et seulement si on pouvait comprendre cette nouveauté de vie. Mm-hmm. Lorsque nous avons cette nouveauté de vie, c'est là où nous pouvons marcher dans tout ce que tu as énuméré, mm-hmm. marcher dans l'amour. Lorsque nous parlons de l'amour, la semaine dernière, on a, à Passons à table, on a mangé. Bien sûr. Le sujet de l'amour. Oui. Et nous ne pouvons pas séparer l'unité de l'amour. Mm-hmm. Non. Mm-hmm. Les deux choses vont ensemble. Mm-hmm. Gloire à Dieu. Ils sont inséparables. Mm-hmm. Nous devons marcher dans l'amour parce que Christ lui-même est le symbole de l'amour. Amen. Si nous sommes là ce soir, si toi tu nous regardes à la maison, c'est à cause de l'amour de Christ. Gloire à Dieu. Gloire à l'amour. Nous devons marcher dans la patience comme lui. Mm-hmm. Christ est patient. Nous devons être ce corps qui est patient. Amen. Il est là, il attend toujours que toi, tu lui donnes ton cœur. Mm-hmm. Il attend que le monde soit réconcilié avec lui. Mm-hmm. Cette patience, il a. Donc nous aussi, nous devons être patients. Amen. Nous devons marcher avec, vivre avec la maîtrise de soi, Amen. Vivre dans l'humilité. Mm-hmm. Parce que tout ceci, c'est le caractère de Christ lui-même. Amen. Ce sont les fruits de l'esprit, en fait. Amen. Amen. C'est les fruits de l'esprit. Oui. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Wow. C'est très important. C'est très important. Nous devons marcher en étant conscients de cette nouveauté de vie, la vie de résurrection. Pourquoi? Parce que notre passé n'existe plus. Non. Le passé s'est en allé. Mm-hmm. La Bible dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Waouh, quel mystère. Quel mystère. Amen. Nous devons être conscients de cette nouveauté de vie. Mm-hmm. Marcher en sachant que ce que j'étais n'existe pas. Mm-hmm. Ce que je suis, c'est ce que Jésus-Christ considère. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Tout ceci à cause de son amour. Gloire à l'agneau. Alléluia. Gloire à l'agneau. Mm. C'est vrai, il est essentiel d'être conscient de cette vie nouvelle en Christ, de cette vie de l'unité en Christ ou alors que nous avons avec Dieu. Mm. Nous devons être capables ou alors conscients de la puissance qui survient grâce à l'unité. Cela doit être quelque chose qui doit être ancré en nous. Voilà pourquoi Paul nous exhorte en disant, il dit, « Je vous exhorte, moi, le prisonnier dans les seigneurs, à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, vous supportant l'un et l'autre. Et à marcher dans l'amour et à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a des bénédictions lorsque nous marchons dans l'unité. Il y a des bénédictions lorsque nous gardons cette paix
entre frères et sœurs. Voilà pourquoi David nous dit dans Psaume 133, il dit « Voici qu'il est bon aux frères de demeurer ensemble. » Il est bon aux frères d'habiter ensemble, car c'est comme l'huile précieuse qui descend à partir de la tête. Et ça descend sur la barbe, et ça descend jusqu'au pan de vêtements. Donc, lorsque nous marchons dans l'unité, la bénédiction commence d'en haut, et ça descend jusqu'au plus petit de bébé, au sein de nos familles. Je vais donner un exemple, sœur Sandra. Mm-hmm. Tu dis, il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Mm-hmm. Wow! Je vais juste illustrer ceci avec un petit exemple. Nous voyons peut-être dans la forêt, mm-hmm. lorsqu'il y a des animaux mm-hmm. qui marchent ensemble, c'est très difficile qu'on les attaque. Pourquoi? Parce qu'ils sont ensemble. Mm-hmm. Ils forment un groupe et ils forment une force. Mm-hmm. Comme on dit en français, l'union fait la force. Amen. Mais lorsque un seul se détache, mm-hmm. qu'est-ce qui se passe? Ben, il est facilement attaqué. Il a la merci de tous oui, les autres. Bien sûr. Et c'est comme ça qu'on va l'avoir. Bien sûr. Donc c'est très important. C'est très important. S'il faut revenir sur ce passage de psaume, nous voyons que la bénédiction tombe lorsque nous sommes unis. Amen. C'est vrai, nous sommes bénis. La Bible dit que nous sommes bénis dans les lieux célestes de toute bénédiction. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Mais ces bénédictions-là, nous voulons, n'est-ce pas, que cela devienne palpable. Amen. Nous voulons le voir avec nos yeux. Nous voulons toucher ces bénédictions. Amen. Mais la clé, c'est l'unité. Lorsque nous sommes unis, nous verrons ces choses-là s'accomplir. Quelle est la chose que tu veux avoir dans ta vie? Est-ce que tu vis dans l'unité, dans ta famille, dans ton église? Amen. Est-ce que tu es vraiment uni avec ta sœur, avec ton frère, et ainsi de suite? C'est là que tu verras les bénédictions Amen. Dont Dieu t'a promis. Amen. Parce que Dieu nous a promis des grandes choses. Nous sommes ses enfants, nous sommes co-héritiers avec Christ. Ah, oui. Et toutes ces bénédictions, gloire à Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent. Il a créé toutes choses. Et toutes ces choses, il a dit, tout est à vous. Tout est à nous. Amen. Et ces choses-là, pour que nous puissions les palper, pour que nous puissions les vivre. Les savourer. Gloire à Dieu. Amen. C'est à travers l'unité. Mais le manque de cette prise de conscience nous privera de la puissance de Dieu et de son plan dans l'Église. Si nous marchons dans le désaccord dans l'Église, cela nous va nous priver de la puissance de Dieu. Parce que l'Église ne peut pas être désunie. Non. Gloire à Dieu. Amen. Pourquoi l'Église primitive a vu la croissance numérique? Je parle de la croissance numérique. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons une croissance dans nos églises. Oui. Quelle est l'Église qui va dire que je ne veux pas croître? La Bible dit même que si, n'est-ce pas, tu ne portes pas de fruits, tu seras retranché. Et donc, toutes les églises, toutes les familles, tous les business veulent croître. Mais comment est-ce que l'Église primitive croissait? C'est parce que ils rompaient le pain ensemble, Amen. Ils vivaient dans l'harmonie, dans l'amour, et ils faisaient tout ensemble. C'est là que Dieu répandait ou Dieu rajoutait des croyants. Et ça, c'était, je ne sais pas si ça s'est fait encore aujourd'hui dans des églises, mais nous voyons les récits, comment l'église grandissait Amen. Numériquement. Mm. Et aujourd'hui, cela est capable. Si toi et moi, Sidonie, si toi qui nous suis en ce moment, tu choisis, je choisis, et toi tu choisis de marcher dans l'unité, nous verrons ces choses-là s'accomplir dans nos vies. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Juste pour dire, le passage est tiré de Actes 2, à partir du verset 46, si vous voulez savoir comment l'église croissait, vous pouvez vérifier. Dans Actes 2, 46 à 47. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Et tout ceci, c'était pourquoi? C'était parce qu'ils avaient un seul corps. Amen. Un seul cœur et une seule âme. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Ils parlaient tous la même langue. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Nous avons une autre illustration dans Actes 4, 32 à 33. Je vais un peu lire. Il dit, « Et la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Gloire à Dieu. Gloire à l'agneau. Ce passage nous montre ce qui se passait à cette époque-là, où le peuple vendait, les chrétiens, ils vendaient tout ce qu'ils avaient, leurs champs, leurs biens, et ils apportaient leur maison. Ils apportaient tout cela
devant les apôtres. Et il y avait un partage qui se faisait, un partage équitable, selon les besoins de chacun. Waouh! Si encore ces choses-là, nous pouvons les vivre aujourd'hui, où il n'y avait pas de pauvres, il n'y avait pas de riches, tout était partagé équitablement. À cause de quoi? À cause de l'amour, de l'amour, de l'unité qui existait, l'harmonie qui existait entre eux. Nous voyons le pouvoir de l'amour, le pouvoir de l'unité, l'amour qui aide. L'amour qui donne, l'amour qui supporte, tu as mentionné cela tout à l'heure. C'est très important de pouvoir vivre cela encore aujourd'hui. Et c'est possible. Et c'est ce que nous devons faire parce que nous sommes le corps de Christ. Être capable de partager avec ma sœur. Lorsque je vois ma sœur, si elle n'en a pas, que je puisse lui donner. Vice-versa. Pas seulement parce que peut-être je la connais, non. Ou alors à cause du lien d'amitié ou quoi. Non. Tout le corps de Christ. Se supporter les uns les autres. Les autres, pardon. S'entraider. Supporter ce corps. Supporter l'œuvre de Christ. Supporter la vision de Dieu. Gloire à Dieu. Mais tu sais, la seule chose qui peut nous voler notre puissance ou même stopper la gloire.